Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau.s. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Denis. Alors Jean-Guy, on va parler aujourd'hui frein, suspension, on va parler du système électrique également, la direction qui est bien importante, des éléments de sécurité. Mais on va commencer avec les freins parce que quand on parle de sécurité, le système de freinage, c'est important. Puis on néglige surtout l'entretien préventif. Oui, absolument, parce que comme tu le mentionnes, c'est un système sur notre véhicule, les freins, qui fait en sorte qu'on les sollicite beaucoup. C'est important d'avancer, c'est important d'arrêter, et arrêter dans des conditions et des distances qui sont acceptables. Pour faire ça, ça prend un système de frein qui est en bonne condition. Ça prend un système de frein aussi qu'on a apporté des soins appropriés. Qu'est-ce qui rentre dans ça? Bien, c'est une inspection qui se fait très bien. En démanchant nos roues, on regarde premièrement la surface de freinage. Tous les endroits où il y a de la rouille, ça fait en sorte que c'est des forces de freinage qui sont diminuées. Fait que quand notre plaquette vient en contact avec le disque de frein et qu'il rentre dans ces surfaces-là qui sont rouillées, ça fait en sorte qu'on perd de l'efficacité de freinage et nos distances de freinage sont plus longues. Ça, c'est au départ, c'est la base. Deuxième des choses, bien, c'est sûr que l'huile à frein, si elle est contaminée, ne donnera pas une bonne force de freinage. Bonne force de freinage, une bonne efficacité. Ça fait en sorte aussi qu'on va briser les pièces internes. On parle des étriers de frein. Les étriers de frein, on a des étriers aujourd'hui sur des véhicules de 2-4 pistons. Donc, c'est tout ça, il faut que ça fonctionne bien. Fait que ces pistons-là, c'est important que ça réagisse bien, que ça coulisse bien et que ça rétracte bien. Ça, en sorte, c'est la base aussi de notre système de freinage également, pour l'efficacité de freinage. Quand on en a besoin, on veut faire un freinage d'urgence, puis qu'on pèse sur nos freins de façon très agressive, ça fait en sorte qu'il faut que ça réagisse bien pour qu'on vienne en friction puis qu'on immobilise notre véhicule. Fait que tout ça en sorte, ça fait qu'il faut le vérifier pour être en sécurité, apporter les soins appropriés. Et également aussi, on va économiser de gros sous en faisant une évaluation préventive de notre système de freinage. Parce que, tu le sais, souvent, des fois, juste la surface de freinage à remplacer ou la garniture de frein à remplacer, qu'on la remplace à temps, fait en sorte qu'on va prolonger notre système de freinage de beaucoup et ça se traduit par des grosses économies à faire. La suspension également, très important. Il y a des éléments, évidemment, encore là au niveau sécurité. Oui, parce que suspension conduite, ce qu'on a toujours dit ensemble, Daniel, c'est des pièces qui, ça va faire un échelon. Une échelle consécutive de bris, parce que si on a négligé la première pièce qui est tombée en trouble, bien à ce moment-là, ça va faire l'effet domino. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est que cet effet domino-là, si on a négligé, mettons, une bielle de direction, une rotule, etc., un roulement de roue, ça va user prématurément puis rapidement à part de ça, d'autres pièces qui composent nos pièces de conduite suspension. Fait que c'est important de le faire vérifier. Le meilleur endroit dans l'atelier pour le vérifier, c'est sur une rampe d'alignement. On rentre le véhicule sur la rampe d'alignement, on fait une vérification de conduite suspension, et à ce moment-là, on a l'heure juste de l'état de notre véhicule. Fait que ça, c'est important de le faire. Puis également aussi, au niveau des roulements de roue, pour s'assurer justement, parce que c'est dangereux, un roulement de roue peut geler, hein, qui peut arrêter de rouler, et à ce moment-là... Il peut même prendre feu. Il peut même prendre feu, mais à ce moment-là, il peut même couper la fusée de roue. Oui. Oh, oui. On a déjà vu ça souvent. Fait que ça se fait rapidement. Fait que donc, des bruits, souvent, qu'on va voir, parce qu'on va mettre nos pneus d'été, ça va rouler plus doux. Puis, on va s'apercevoir qu'on a des sons qu'on n'est pas habitué d'entendre sur notre véhicule, mais ça peut être des sources de bruit à ce moment-là. Fait que ces systèmes-là, c'est important d'y voir. C'est important aussi de faire une prévention, un entretien préventif avec ça, parce qu'il y a encore là une économie à faire qui est vraiment tangible. Autre élément, lorsqu'on a fait le tour de direction frein-suspension, tu as parlé de partir en vacances. La batterie, le système électrique, c'est bien important. Si batterie, on ne veut pas rester en panne, normalement, l'été, c'est sollicité. Oui, ça, c'est vrai. Mais normalement, notre batterie, on pense à ça l'hiver. Oui, c'est ça. On dit, l'hiver, mais l'été, pas de problème. Non, 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 non. Parce que l'été, la chaleur, les grandes chaleurs, des fois, ça ne dure pas longtemps, mais on a des chaleurs. Bien, je vais vous dire que c'est une période où on change beaucoup de batterie à ce moment-là. Demandez à nos amis du club automobile, puis c'est des journées très actives pour le remplacement de batterie dans les journées de grande température. Pourquoi? Parce que si nos électrodes à l'intérieur de notre batterie font en sorte que l'acide s'est mal reproduit, rechargé tout le temps, ça fait en sorte que nos plaques à l'intérieur
viennent qui vont surchauffer. Et avec la chaleur ambiante qui est beaucoup plus haute, ça fait en sorte que les plaques vont venir qu'à se coller. Et quand ça se colle une plaque, c'est fini. À ce moment-là, ça vient décharger nos électrodes et notre batterie tombe à plat. Donc, c'est important d'y voir. C'est important de faire un test de batterie. On a des appareils pour ça. Puis on voit Alexandre avec cet appareil-là qui a vérifié une batterie. À ce moment-là, on sort un test de voir comment est-ce qu'il est capable de pousser de force, d'ampérage, pour quand on lance notre démarreur. Parce qu'on sait que quand on lance notre démarreur, on lance notre moteur, avec le démarreur du véhicule, c'est une source de courant énorme qu'on demande à notre batterie. Il faut qu'il soit capable de durer pendant au moins 15 secondes, un test de cranking power qu'on appelle. Est-ce qu'on peut faire un entretien préventif sur notre batterie? Bien, premièrement, les pôles. Hein, les pôles de batterie, s'assurer que c'est bien nettoyé. Autant les connecteurs que les pôles, parce que chaque fois qu'on voit du vert de gris là-dessus, c'est une restriction pour que le courant ait plus de difficultés à rentrer à l'intérieur de notre batterie. Ça fait un obstacle. Fait que si nos pôles et nos connecteurs sont bien nettoyés, déjà là, c'est une bonne chose. S'assurer, la deuxième chose, des fois, on a besoin juste d'une surcharge de notre batterie. Parce que si on fait une utilisation de courte distance, comme la plupart des gens, mais à ce moment-là, des fois, on se ramasse toujours avec une batterie qu'on est à moitié en termes de capacité d'emmagasinage d'énergie. Des fois, une petite surcharge de notre batterie va faire en sorte que ça va la ravigoter un peu, puis ça va la remettre comme elle devrait être, et ça va prolonger sa vie de beaucoup. Il me semble surtout sur une petite batterie comme tu as entre les mains présentement, oui. on aurait peut-être besoin de la recharger de temps en temps. Puis tu me faisais la remarque, ça ne va pas sur un 4 roues, ça non, va sur un automobile. Non, je pensais que c'était une batterie de VTT. Ça va sur un automobile. Puis aussi à ça, qu'est-ce qui vient se greffer à ça? Bien beau parler de la batterie, mais ça prend qu'est-ce qui produit du courant pour rentrer dans la batterie? Votre alternateur qui est entraîné par une courroie par votre moteur. Donc, deux choses à vérifier. L'alternateur, est-ce qu'elle produit assez de courant? Est-ce que notre courroie est en bonne condition? Est-ce qu'on perd un tour à toutes les deux fois sur notre courroie? Puis à ce moment-là, ça va baisser la capacité de l'alternateur et en même temps affaiblir notre batterie. Fait que tout ça, le système de charge, ça se vérifie très bien. Ça empêche des pannes. Et deuxièmement aussi, c'est de prévention pour notre batterie, la durabilité. Parce que dites-vous qu'une batterie, vous êtes capable de faire au moins 6 ans avec une batterie qui a eu tous les soins appropriés. Quand on remplace une batterie qui a 2, 3, 4 ans d'âge, ça veut dire qu'il a manqué d'entretien en quelque part. Alors, Jean-Guy, en terminant ces chroniques mécaniques, l'entretien minimal de notre véhicule, il faut suivre le guide du manufacturier pour pouvoir garder notre voiture longtemps et éviter les graves problèmes. De grâce, dites-vous une chose, le manufacturier n'a pas écrit ça pour le fun. C'est lui qui l'a fabriqué, votre véhicule. Et les conseils que vous retrouvez à l'intérieur de ça, c'est pas juste un livre qu'on met dans le coffre à gants et qu'on laisse là. Il faut le consulter de temps en temps. Échanger avec votre garagiste aussi, avec votre conseiller technique, pour qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à vous et l'utilisation que vous en faites de votre véhicule. Et vous allez avoir beaucoup plus d'agrément avec votre véhicule, beaucoup plus de plaisir. C'est toujours plaisant, Daniel, quand on part de la tête tranquille, qu'on sait que quand on tourne la clé, notre véhicule est sécuritaire, tout a été vérifié. On part avec ça la tête tranquille. Les déplacements sont beaucoup plus joyeux, beaucoup plus plaisants, beaucoup plus sereins. Et l'autre point important, on sauve des sous énormément. On sauve beaucoup, beaucoup de sous si on fait l'entretien approprié à notre véhicule et sur un long terme aussi. On va prolonger la vie de notre véhicule. On va le changer des fois, pas parce qu'il ne marche plus, pas parce qu'il y a des grosses réparations à faire, parce qu'on est tanné de la couleur. Fait que c'est beaucoup plus plaisant dans ce temps-là. Merci beaucoup, Jean-Guy. Plaisir.